Alors, on sert un petit déjeuner au SDF de la paroisse. L'enjeu, c'est vraiment de créer un moment convivial et fraternel pour ces personnes de la rue, de voilà, leur proposer déjà physiquement un petit déjeuner, puis la chaleur d'une présence. C'est justement un bon moyen, à différents moments de l'année, pendant l'Avent ou pendant le Carême, de passer un petit peu de temps avec des personnes que nous côtoyons souvent et que nous avons plutôt tendance à ignorer. La spécificité de ce petit déjeuner, c'est qu'il se fait vraiment dans un esprit profondément missionnaire, catholique, dans l'esprit de Frédéric Ozanam. Et pendant que il y a des gens qui servent le petit déjeuner, il y en a d'autres qui prient dans l'église en même temps. C'est toucher la réalité de ces gens et je pense que forcément, ça nous touche au plus profond de nous-mêmes, ça nous donne envie de se donner un peu, de souffrir un peu pour soulager la douleur de ces gens-là, sachant que évidemment on ne peut pas faire grand-chose, ça représente pas grand-chose, mais c'est vraiment cette idée qu'on donne un peu de son cœur pour ces gens-là, et ça c'est vraiment important, quoi.